Les baies froides cristal, c'est une initiative qu'on a prise pour à la fois remercier et en même temps encourager des personnes qui, à titre individuel ou des entreprises, qui ont décidé d'investir à Charleroi. Je vous demande d'accueillir M. Philippe Landrin, c'est le directeur d'Agisurance. Je vous demande de l'applaudir. C'est certainement à plusieurs titres. Hein. Tout d'abord parce que AG existe à Charleroi, d'une part, mais surtout parce qu'on a montré notre volonté d'y rester et de s'y développer. C'est une très grande entreprise de notre région qui est présente depuis longtemps, depuis plus de 30 ans à Charleroi, mais qui a décidé, en plus de se réinvestir, de rénover son bâtiment et de recentraliser un certain nombre de ses activités ici à Charleroi, d'en faire son pôle principal du côté francophone de la Belgique. Nous avons eu une adaptation, je dirais, de notre organisation ici récemment, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 320 collaborateurs à 430 collaborateurs, donc qui couvrent toute la partie francophone du pays sur tous les aspects opérationnels en tant qu'activité, aussi bien gestion souscription que gestion sinistre. Nous avons des relations quotidiennes étroites avec un peu plus d'un millier de courtiers indépendants en assurance et nous avons déjà dépassé le million de clients servis par ces courtiers indépendants en assurance, donc c'est déjà un véritable succès. Depuis le mois d'avril 2014, nous sommes les sponsors, en tout cas un des sponsors du Sporting de Charleroi. Je peux ajouter même que depuis lors, le Sporting de Charleroi joue très bien. Le fait qu'un grand groupe d'assurance et une grande société importante comme AG confirme son ancrage en centre-ville, en plus joue un vrai rôle sociétal parce que soutient notre club de foot, soutient un certain nombre d'initiatives aussi d'ordre caritatif, c'est vraiment une entreprise citoyenne qui s'implique dans la ville où elle a son siège principal, ça méritait que ce soit souligné. AG Insurance, supporter de votre vie.